23 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
pas tout à fait. Un mochir pirot le chavirot, donc celui qui vend des fruits à son ami, harizé mekabel alav, robat il nove d'asia. Donc il compte sur lui un quart de pertes par séa. C'est-à-dire, par exemple, Ténim, si c'était des figues, les Kabel Alav, Esser Moussoularim Lamia, donc il compte sur lui, donc 10 figues pour 100 figues. Ouais. Donc il y a des pertes jusqu'à 10 figues. C'est ça. Martev, chez. C'est ça. Martev chez Liayin, après, donc, c'est un tonneau de, ouais, de vin. Mais Kabel Alav, Esser Kosesot Lamia, et 10%. Ouais. 10%. Kankanim Bécharon, Kankanim sont des cruches, mm-hmm, voilà, qui sont faites avec un terre. Bécharon, mais Kabel Alav, Esser, Pétas Yaot Lamea, il faut aussi donc une petite perte de 10%. C'est ça. On va voir dans le bureau comment il va expliquer tout ça. D'Amokhel Haberot Pirot, d'ailleurs, tu vois, celui qui est en train de vend, là, tu vois, des céréales à son ami, chez Orepsolé, donc la quantité de déchets qui se trouvent dans le terre, qui est accepté, oui. Le yotba, c'est-à-dire, si tu achètes, par exemple, jusqu'à 10%, par exemple, certains 9%, c'est-à-dire, ok, il n'y a pas de discussion, ça va, ça passe. Mais au-delà, il y a un petit problème. Alors, donc, ce qui est de chez Orepsol, c'est un mikoba du yotba, donc jusqu'à Rova Kav Afar, va cacher le Cholse Ativoa, le Mariahach chez Ahat, le Esrim Varba. Donc, en fait, il y a une proportion de 1/24e. Dans les céréales, tu peux accepter qu'il y a quand même des déchets de 1/24e. C'est-à-dire quoi? Ouais. C'est-à-dire, si tu achètes 24 kilos par exemple, tu peux estimer qu'il y a donc 1 kilo de paille, de machin, de saleté dedans. Jusque-là, c'est normal. Donc l'acheteur, il pense sur lui. Et, ouais. Mais au-delà, c'est donc, ça pose quelques petits problèmes de mégarta. TNI, par exemple, lorsqu'il y a par exemple des figues, donc on peut accepter qu'il y a 10 qui sont pourris, que je vais pour 100. Mais et kol habiyot hayayin shibavtev, 10 habiyot chen shahed lahmis le kol mea habiyot. Si quelqu'un il a vendu donc des cruches ou les tonneaux de vin chez lui qu'il a, donc il peut accepter qu'il y a une certaine paire de habiyot qui sont en train de tourner, de se tremper en vinaigre, jusqu'à 10. 10 cruches sur 100, 10 tonneaux sur 100. Le Khon Mehabiyot. Un mocher Kankanim Bécharon. Donc celui qui est en train de vendre des cruches dans les Charons, donc c'est une région donc, au centre d'Israël. Asara Kankanim Shulunitz Nisrefu Batanur Kolsocham. Donc on peut aller jusqu'à une perte de 10 cruches. Ce sont donc des cruches qui n'ont pas été. Vous savez, des cruches comme ça en argile, une fois qu'ils ont fait, après ils les mettent dans le four. Pour donner une résistance. Une résistance, ouais. Donc pour terminer la fabrication de ces produits-là, ils ont été dans le four, mais n'ont pas été bien cuites. Ah. Alors, maintenant, donc, à ça, quelqu'un me chou n'est-ce-refou, maintenant, kosocham. Les chol, mais à quelqu'un, donc on peut accepter donc, 10% de défaut dedans. Quel est le défaut, c'est quoi? C'est comme ils sont mal cuites, donc ils sont pas. Alors ils vont absorber un peu du vin intérieur. Donc ça représente une petite perte. Donc ils vont avaler plus que les autres. Pourquoi la Mishnah a parlé de Bécharon? Parce que dans Charon, donc il n'y avait pas un minhag spécial, spécifique, concernant jusqu'où on va aller dans les défauts. Et on devait faire une petite estimation en fonction. Voilà, approximative. Approximative. Comme chez minhag Edouard, par exemple, dans les endroits où il y a un minhag Edouard précis, c'est-à-dire que ça peut être plus, ça peut être moins, c'est-à-dire.
français définir. Si on estime que jusqu'à 10%, un individu peut accepter une certaine défaut dans les cruches, mais dans certaines autres régions où il y avait un minhag qui était bourse jusqu'à 5% ou 20 ou 30, ça dépend en fonction du minhag. Mais dans le Charan, il n'y avait pas un minhag spécifique. On passe donc à Yaakov dans la Gemara. La Torah metava qu'alcool y aurait d'avi korban kapara. Donc chaque femme qui accouche, la Torah donc elle a ordonné d'amener un korban de kapara pour nous rappeler. Donc c'est un korban hadat, c'est-à-dire pour se faire pardonner quelque chose. Du kapara alma, se faire pardonner quoi? Donc ils vont expliquer dans ce moment. Les chalut el midav et Rabbi Shimon ben Yochai. Donc ils ont posé des questions à Rabbi Shimon ben Yochai. Le pinema amarat Torah yulet mi akorban. Quelle est la raison que une femme qui a accouché doit amener un korban? Elle porte un korban. Amar lahem b'shat shikoraat l'led kofeset unishbat shut zaki de bala. Parce qu'il dit qu'au moment où on est en train d'accoucher, au moment de l'accouchement, avec les douleurs qu'il y a, tous les tsars qu'elle a, il n'y avait pas de péridurale à ce moment-là, donc tout ça. Alors, elle jure toujours que quoi qu'elle n'est plus allée avec son mari, les filles ont la Torah, t'es le corban. C'est à cause de ça qu'elle dit, donc il va amener quelqu'un. On va dans le bureau, il dit à la madame, chère Michel Malmiyaha, chère Alou, donc je vous pose des questions, mais d'où est-ce que la Torah sur l'état vie corban? Pourquoi est la raison pour que la Torah a dit, elle a ordonné une femme enceinte, et la femme qui est en train d'accoucher, d'amener un corban au moment de l'accouchement, après l'accouchement, c'est-à-dire, Mahat, qu'est-ce que ça vaut? Quelle est la faute? Amar, la même chère, 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 chère. Parce qu'au moment où la souffrance de l'enfantement, de l'accouchement, elle jure qu'elle ne peut plus aller avec son mari, à cause des douleurs et tout ça. Après, donc, elle regrette. À la Shoah, son sentiment qu'elle a fait. Donc, c'est pour ça qu'elle a besoin d'amener un kapara. C'est vraiment un nefesh mossi. Et si elle avait dit, Bénédia, je pleure avec mon mari, Bénédia. Donc, peut-être qu'elle n'amènera pas, je ne sais pas. C'est vrai qu'aurait nefesh aussi il y aurait des nefesha chez la isha. Donc il dit le livre or le nefesh, il rajoute, il va à la source, à l'origine de ce qu'il faut faire de l'âme de la personne, de l'âme. Au motzi betanguta, donc il trouve dans son comportement dogma de halach rocho chez la dame concernant la façon de non, de façon de l'état d'âme de l'individu. L'état d'âme de l'individu. Il dit, mais teva ha'olam, Adam ha'nimtsa b'matsav ou b'lachas kaché. Un homme qui se trouve dans une situation difficile, de pression et de difficulté, nafshi ou gofani, qui soit aussi bien physique ou spirituel, mais t'auréret bo machavot retsiniot mo. Donc, il y a un réveil en lui, donc il va avoir des idées, des idées noires. À ce moment-là, il commence à réfléchir sur la raison de la vie, sur la mort, sur tout le. Sur son rôle dans sa vie, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, est-ce qu'il est dans le bon chemin. Ensuite, il commence à se mettre en cause en lui. Il se remet en cause. Donc, tout ce comportement jusqu'à maintenant. Donc, un homme, il arrive à un moment pareil, il arrive à prendre des décisions. Il prend des décisions qui sont pures pour s'élever et changer sa façon de vivre. Voilà, c'est-à-dire. Chaque individu, dès qu'il a un problème, en fin de compte, toute l'année, tout le temps, il pense à rien, mais d'un coup, il a un petit problème, il commence à regarder vers l'eau, c'est pas le coup, il commence à dire, après les chiffres, je vais m'arranger, je vais faire ça, je vais faire ça. Et il a dit que je sors de cette situation négative, je deviens un gentil garçon, tout ça. Mais le problème, c'est que juste après, une fois qu'ils ont pris cette décision, et tout s'est bien passé, le mec il s'en sort bien tous les jours, il arrête. Il arrête tout. Abad, il faut harvaha, mais dès que le majeur il y a, en fin de compte, il s'en sort de la situation, il retrouve sa tranquillité, sa sérénité. Alpi, rov ha'adam, mita'alem, mashkiyah, me le boet, et trouve moi une promesse. Il oublie, par exemple, que à cet instant de difficulté, il s'est élevé quand même. Et il oublie cette partie-là. Bin Souka, chez Avefa Oto, Biyoto Rebes, Tahat Massa, Yisura. Donc il oublie, enfin, quand toutes les décisions qu'il a voulu, toutes les prises de conscience qu'il a eues pendant cette période difficile. Ou Shoyach et Ta'anahot,
Akenot, cette paresseux, Azmopim, il oublie toutes les plaintes et toutes les qui sont sorties de sa bouche. Ses gémissements. C'est ses gémissements, et tous ses serments et ses promesses. Où je m'attends, chez Tib, d'être nagué pour se comporter de façon s'améliorer. Venez menacer les Hertzim, et Hadatato, il n'essaye pas de mettre en pratique tous les décisions qu'il a pris. Chez Bia Bisfata ou Vadaï, chez Mimchina, Moussarit, vous chantez, mais d'un côté, c'est sûr, certains ont déclaré ce qu'on porte. Malheureusement, c'est chacun de nous. C'est la théva. Que nous, Dimotsiga, dans notre retourne à Kudoshé, est un chat à Yodet. Donc, comme un exemple, dans la Torah, elle va nous présenter cette femme-là qui est en train d'accoucher. Bishat, it labtuta bihabli hadedda hakashim, au moment où elle se débat, pendant des accouchements. Avec des difficultés d'accouchement, mais chat, mashbira hakaved, moment difficile. C'est sûr qu'elle aussi elle va avoir des élans de réflexion et de, sur la vie, sur le. Comme on a vu avec personne. Et concernant comment s'appelle la malédiction que j'ai reçue, il a dit à Chava que l'accouchement va se faire dans les douleurs, va alcool galahayim et sur toute la vie, chez Lida ou Mita sur la naissance, la mort, la vie. Voilà, Shaiyun v'Hagud b'Shad Kashazu et vous allez Hadatot Musarit Adonot. Pareil. À un moment de ce moment précis, elle a pris sur elle, elle est de prendre des décisions qui sont. Prise de conscience. Conversion, de prendre des décisions, comme on a vu, qui sont élevées, de changer, de s'appeler côté Mahouta, de changer, de s'arranger, comme on a vu. Aval Barbar, Shat, le Tabtout de la Sebed, Shrim Alehash Vion, Rouah Badishout, mais un moment, une fois après, l'accouchement est terminé, maintenant c'est mieux, elle est dans le calme, dans la sérénité. Elle va oublier toutes les décisions. Elle va pas essayer donc. Elle oublie toutes les décisions qu'elle a voulu prendre et tout ça. Et elle reprend sa vie comme c'était avant. La Torah va plus être bénouche à l'Adam. La Torah d'ici, donc, elle va nous enseigner que l'homme, à l'Adam, d'être à Metz, donc s'efforcer de cahier, de chamer, de courbeau, et de sagot, de fissot, de chot. Il dit, il devait enseigner que quoi, que lorsque quelqu'un y prend des décisions, il faut quand même arriver à s'efforcer, à les réaliser, à mettre en pratique, et ne pas qu'il soit seulement au niveau aléatoire, mais de le mettre en pratique. Les décisions qu'il a prises au moment qu'il était un peu dans les difficultés, et même ces décisions qui, quand je me trouve, il a. C'est l'auto, il l'a délivré. Non, c'est-à-dire que c'est comme quand je me trouve, il a influencé de prendre des décisions pareilles. C'est noblesse, c'est pas c'est quelque chose d'élévation. Vachemat Hashem, je me remis. Il doit mettre notre Hashem, ce sont des cadeaux que je me trouve. Donc, il va, en fin de compte, dès que Kayé est dans une situation difficile, en fin de compte, il va l'aider à se réveiller, à prendre des gens. Voilà, il faut que l'individu, il soit misogyne, il doit le dénigrer. Au contraire, il y a un médecin, voilà. Il faut qu'il essaie d'adopter, il faut les graver. Donc, pour les mettre en pratique. Enfin, voilà. On t'enseigne ici que vu qu'il y a quelqu'un dans une situation qui est un peu négative, difficulté, prend des décisions, il faut au contraire aller dans le bon sens de le mettre en pratique sur cette décision. Mais malheureusement, ce n'est pas facile. C'est un moment négatif, tu descends. Il faut que, malgré tout, se forcer. Ouais. Et enfin, on termine donc avec la Hot Pessah. Ah bon? Oui, donc si j'ai quelqu'un qui a encore du Hamis, moi je suis à la maison, c'est trop tard. Là on va parler de. Motsari Hamis, c'est un peu le fond de Moufleta lundi. Eh oui, merci. Motsari Hamazon, Motsari Bimeshek Yotashana, Arihim Hamets Gamour, Ishmehem Hamets, Hajash Hamets.
Il dit donc dans les produits, donc ça devrait hametz, soit il y a du hachash hametz dedans, mais il y a des sim, lève les chol, les chach le finir à Pessah. C'est pour ça qu'il faut très attention avant Pessah pour tous les produits qui sont de vrai hametz ou qui contiennent hachash, un soupçon de hametz. Bah, comme ça fait, et même lorsque tu as un savé que le produit contient de hametz ou non, j'ai barré, essayé de voir. Il fallait se renseigner chez des gens qui connaissent bien la chose, pour savoir si ce produit contient vraiment de hametz ou non. Les yeshna motsarim mahameshet mine dagim, shehem ba'im vimaga, im mayim betahrich shtifat agarayim vahletam. Il y a des produits, par exemple, comme des graines de céréales qui sont interdites, qui vont revenir de hametz, qui au moment de la fabrication, de la production, ils sont lavés, donc ils sont en contact avec l'eau. Et donc c'est déjà suffisant dans un état de Kisra Mahmet. Et dit, je ne sais pas, de la et la reine, et Mahmet, c'est pour ça qu'ils deviennent donc de Hamas. Ou bien, et parmi eux, les graines Hita, Gérissim, au Bourgou, c'est le blé concassé, et du Kevaker, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est des potres, des quakers. Ah bon. Soubine, c'est pas. Ok, c'est tous les cinq réels. Les dérivés. Les dérivés, les potres, le sarrasin. Le sarrasin. Il y a d'autres produits qui sont safim chez Mourab Bahem. מחמשת מינית דגן, כגון גרנולה, תערובת זה מלנג' בגרעיני דגן, עם פירות משבשים. אה, זה שזה... כמו זה פרצלון. זה כוח לפלס משאבק. וואי, נולה. זה שזה? 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 Chemin de nevet hita, il y a aussi de l'huile de nevet hita, je ne sais pas, c'est de l'huile de blé. L'huile de blé, je ne sais pas, nevet hita. Ah bon? Mozarim, ou abakot. Des poudres. Abakot, c'est l'école. Instant, c'est des nutriments binois, mechilim, gluten, ou amida, chelhamès. Donc, c'est des produits qu'ils connaissent. Aussi dans d'autres produits comme les tablinines, les tablinines. C'est ça qu'à Pessah, il ne faut pas aller acheter n'importe quel tablin aussi, il faut aller prendre des tablins. Chez les Pessah, chez Maxi Cash, sans les nommer. Pérot, Mayoubashim, il y a des zahés de Knot Pérot, Mayoubashim, aussi faire attention d'acheter des fruits secs. Sauf avec une Ashgaha Miyouchedet, la Pessah, pour Pessah. Pourquoi? Mishum, je me regarde très bien, parce que dans plusieurs endroits, il dit, mais Fazirim Alehim, ils mettent un peu de la farine dessus pour les figues. À ce moment-là, comment ça s'appelle? Il y a de quoi la crainte. Lorsqu'ils ont fait dans les tannourim, il y avait des choses hametz. Le dernier arrive au moment aussi, donc ils sont en train de les empaqueter, de faire des paquets. Il faut voir le cas. Les kumokens, c'est-à-dire les hakpid, les egozim, les mouchkedim, les cholminagarinim, les aussi faire très attention. Tous les noix, les amandes, tout ce qui est grillé. Les knotam, rat nous commande chez Shnahem, Hashgaha, pour faire des Pessah, il faut les acheter seulement dans un endroit où il y a donc une Hashgaha pour Pessah. Pourquoi? Parce qu'au moment où ils les ont grillés, Imham Melach avec le sel, ils utilisent aussi un peu de farine. C'est pour ça qu'il faut, même après qu'on va acheter après Pessah, il faut craindre aussi qu'ils ont utilisé du hametz, et ça s'appelle, donc c'est devenu hametz, ça s'appelle du hametz, mais ça, Bessamim, aussi, c'est pour un Bessamim, à ce que je mets, je mets, je mets, je mets, même des Bessamim, des épices, des senteurs, à ce que je mets, je mets, ça fait ça, pourquoi? Des fiches régulières, les chrotam, l'alcool. Parce qu'on a l'habitude de le mettre dans l'alcool. Chez le Hamas, c'est fini, chez le Bishim, au Tam, avant d'agir au Tam. Il dit que la 74 ici,
לכן יש בערך הציפורן או למחו. וכס כדי אחרי, אמנם בזמננו, אני אומר אתכם ממנו אקטואלמור, אין מסוי שמשכים אותו באלכוהולים של חמץ. צריך אחרי כל, כי זה אלכוהול מנוע, זה פס, זה אלכוהול דה חמץ. ויש לברך ולשאול אל החכם, איפה פרע לתתו, איפה לדמנדר, איך חנסייני אינו. ודאום, סלוי מנוע מנוע, כי האשתה דה, כמו זה נפל, דה נוע אי דה זמן, זה תחותה. Ben, ça, il faut l'enseigner. C'était avant, c'était la semaine avant. Il faut l'enseigner la semaine.